Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'émission Parlant, mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour me porter émission pour vous, pour me porter information pour vous. Dans ce moment-là, gagner l'église épiscopale d'Haïti qui a fait parler de lui dans la question trafic d'armes à minution. Hier, DCPJ débarqué dans douane Port-au-Prince, ouvert conteneur. Yo saisi plusieurs armes longues, plus passé 10 000 cartouches, plus passé 20 chargeurs avec 50 000 billets faux dollars américains. Ça qui attire l'attention dans le dossier trafic d'armes qui impliquait l'église épiscopale d'Haïti, c'est que dossier ça, c'est un dossier qui est extrêmement sensible. C'est un dossier qui est sensible par rapport avec différents groupes monde qui impliquaient là-dedans. Nous, à rapide vite, l'église épiscopale de Joseph Zan a couru mettre un communiqué dehors pour démentir l'implication de la gagner dans le trafic d'armes en dedans pays. Puisque l'église épiscopale est là pour accompagner le peuple haïtien, elle pas là pour créer violence, elle pas là pour favoriser violence, etc. etc. Mais ça, vous connaissez dans le dossier ça. En dedans administration, en dedans l'église épiscopale d'Haïti, gagner yon directive yon mette en place leur y a pour recevoir marchandise, c'est qui ça lié gagner des lignes pour suivre, puisque c'est administration l'église, c'est administration diocèse qui occupe yo spécifiquement leur gon conteneur qui venir, leur gain marchandise qui venir pour yo, etc., leur gain don, leur gain achat qui fait pour yo même pour yo recevoir. Alors, comment ça fait? Premier bagay là, c'est l'agence maritime qui a porté le conteneur. C'est lui-même qui informait l'église épiscopale. Ou qu'on a un conteneur qui a venu sous nom pour préparer tout document pour recevoir le conteneur. Deuxième étape, c'est qui s'allie? Il est là pour préparer le conteneur. Il y a un monde qui est chargé pour occuper de toute bail administrative, pour prendre le conteneur, etc. Il y a le broker. Le broker est lui-même. Document sa yo qui sa le faire avec yo, la prépare tout document, et puis document sa yo, li pral achemine yo avec un spécimen signature. Moun ki chef diocèse an, et dans le moment n'a parlé la moun ki chef diocèse an, c'est révérend Jeanville Madoche. C'est lui même qui chef diocèse an. Donc, tout temps de nous tende la, gagne un conteneur qui vini, nan manifeste conteneur, etc., c'est non l'église épiscopale, c'est parce que au niveau de document yo, c'est spécimen signature Ville Madoche qui souli. Donc là, que vous voulez que vous pas voulez, que document yo faux, que document yo vrai, y a toujours dou, c'est l'église épiscopale d'Haïti, puisque c'est signature révérend qui sous document. Kounya, pour joindre spécimen signature, c'est responsable, c'est broker qui pour prendre spécimen signature, voyer en deux dans ministère affaires étrangères pour vérifier est-ce que spécimen, est-ce que signature il pas faussé, est-ce que c'est vrai signature, est-ce que pas gain faux là-dedans, etc., est-ce que c'est pas gain magouille, etc. Après ça, yo pral acheminer tout bagaille ça yo en dedans ministère des finances pour payer petit frais yo gain, petit tarif yo gain pour yo cal prendre conteneur à la douane. Qu'on y a qui ça gain là? Eh bien, le pour yon aller de douane et conteneur, yon fait qu'on est dans manifestant, c'est pour l'église épiscopale d'Haïti. Qui sa révérend, dit révérend, fait qu'on est lui-même, lui pas de jambe qu'on l'église épiscopale te gagne conteneur, yon tapra le recevoir. Parce que yon même, toute information qui est disponible, yon pas gagne marchandise, yon tapra le recevoir dans moment là. Question temps de conteneur vini, conteneur gen zam, conteneur gen munition, gen 50 000 faux billets dollars là-dedans. Bagay sa yo pa konnen ni en penti parce que yo même yo pa gen rien pour yo. Et d'ailleurs là, yo gen tan préparé pour yo prendre avocat pour défense. Mais qui côté situation vin paraître plus compliqué. En dedans l'église épiscopale là dans diocèse an te gagné yon zimbabwéen qui tap travail là. Zimbabwean yo vin révoqué. Et maintenant, moi, j'attendais Ville Madoche qui a parlé, li pas en mesure pour li ba explication sous cause qui fait yo te révoqué Zimbabwean ça. Zimbabwean li rele Sikungozo Vudla. Li tap travail dans l'administration, c'est chef opération. Ça veut dire li implique directement dans question prend conteneur, dans question fait suivi yo pour yo prend conteneur si toutefois gagne marchandise, gagne conteneur qui a délivré pour l'église épiscopale d'Haïti. Quand on a là, vin paraît plus flou.
C'est parce que le commissaire au gouvernement Jacques Lafontaine, il fait qu'on est, il y a un conteneur qui paraît pour délivrer. Non, non, si Koun Gozo vous de la ça. Alors que si Koun Gozo vous de la ça, il n'y a pas de travail pour Diocèse encore, il n'y a pas de travail pour l'église épiscopale d'Haïti encore. Koun y a une question pour poser tout. Est-ce que document ça, c'est document faux? Est-ce que c'est des faux? Est-ce que c'est moun qui imite et signature? Ou bien est-ce que il y a un réseau criminel en dedans pays, en dedans l'église catholique ou bien dehors l'église catholique qui kon habitué fait zam ak munisyon rentrer déjà en dedans pays pendant yo a utilisé franchise que l'état haïtien bay l'église épiscopale d'Haïti? Parce que ça extrêmement important. Jodi an la, nous pas pral indexer qui conclonge l'ouet sou qui pou di oui l'église catholique nan fait trafic zam. Nous pas pral retirer possibilité à tout pour nous dire l'église catholique pas n'en fait trafic zam ou bien l'église épiscopale d'Haïti précisément pas n'en fait trafic zam en dedans pays. Parce que vérité c'est qui ça lié. Gen tout on démarche, gen tout on ligne pour yo suivre pour yo retirer doute qui pesait sous l'église catholique ou bien pour yo retirer et présomption culpabilité qui gagne sous dos et révérend Madoche parce que c'est signature li. Même la ligne évidence c'est signature qui sous et sous document yo manifestant vin sous dans l'église épiscopale. Donc je dis d'un point de vue administratif c'est nous mêmes qui gain responsabilité pour nous veiller à ce que pas les monde qui fausse et qui utilise spécimen yo, pas les monde qui pral fausse signature yo, etc. Mais révérend fait qu'on est que madame Walsh je dis là que commissaire et que Jacques Lafontaine mette interdiction de départ, que l'État haïtien a cherché là, yo fait qu'on est que li pa gen rien pour lui, même non madame Wolson li pa konn qui est qui madame Wolson, donc li pa gen rien pour lui jodi an la ni avec madame Wolf ni avec question conteneur qui rentrait, question et zam manche long qui rentrait plus passer 10 000 cartouches etc. Yo pa konn bagay comme ça parce que yo même c'est question la foi y a géré, c'est question prière y a géré, c'est question intercession y a géré pour Haïti. Yo pa wè yo même qui t'a pral vinn participer na créer trouble dans le pays, on a fait zam rentrer pour aller bailler bandi pour aller vendre les camps etc. pour tout yon dans le pays. Mais hier soir m'apprend que au niveau de port Miami il y a un conteneur zam yo intercepté. Conteneur zam ça il t'a pral rentrer directement dans port Miraguana. Dans douane Miraguana c'est là il t'a pral débarquer. Heureusement, yo intercepté, yo ouvert, yo joine plusieurs armes là-dedans, quantité balle là-dedans, chargeur là-dedans, etc. Donc, si on qui on nous fait. Dans dernier jour ça là, question armes munitions le fait agogo. Agogo bagaille ça rejoindre en Haïti. Nous pas connait si c'est parce que gen débat qu'a fait là au niveau Conseil de sécurité Nations Unies pour yo ba nous un nouveau et une nouvelle mission de maintien de la paix en Haïti, parce que l'on parle de mission de maintien de la paix, ou est-ce ça, ou est casque bleu. Autrefois, en 2004, il y a un ministre. Je dis, on ne sait pas qui n'a pas le bal ici, si finalement il a décidé de voter, parce que nous, la Chine, lui-même, la Chine, qui a le droit de veto en dehors du Conseil de sécurité, lui-même, il a campé sous position. Lui, nous, catégoriquement, il n'est pas d'accord pour gagner une intervention militaire ou bien encore policière en Haïti pour Nations Unies pour le voyer. Et opération maintien de la paix en Haïti, non contexte côté que si vraiment yo vle Haïti respecte principe souveraineté, respecte principe démocratique la kaili, etc. Que yo aide la police, que yo aide institution la police, hein, bali moyen financier, bali moyen matériel, etc. Bali support technique pour yo armer policiers, former policiers davantage, pour contrecarrer avec bandi, pour contrecarrer avec gang qui terrorise la population. La Chine compte toute idée pour envoyer une mission de maintien de la paix en Haïti. Mais dans le pays qui est favorable, États-Unis là avec Madame Lim, avec Binu, ils très favorables. Ils sont très favorables. Qu'on y a, c'est poser d'autres questions. Est-ce que tout démarche ça qu'a fait là, est-ce que Ariel Henry lui-même tout pas favorable? Parce que même nous, comme un politique en Haïti, ouais, les gars fait politique ici, les parler dans micro la presse sur du bagay. Moi-même, je suis contre toute idée d'une intervention militaire en Haïti. Oh, casque bleu, t'es fait non paquet de tort, t'es ban au choléra, t'es fait 10, t'es fait date. Mais c'est même, moi-même, dans le temps, en 2004, yo t'a dit que le ministère fait plus bien pour yo que mal.
C'est eux même qui t'a dou ministre, c'est ministre qui t'a baillé la paix avec Cité Soleil. C'est eux même qui t'a dou, c'est ministre qui t'a fait des armements, etc. Jodi un coup de cloche nèg là-bas ou dans micro la presse là, dehors là parler entre eux, yo dou, yo t'es bien content ministre t'est venu parce que yo t'es ca marcher Jean Yovlé, etc. Gros paquet rapport après ministre finalé, on pli rapport yo. Moun yo t'es très favorable pour ministre t'est rété. Yo t'es très favorable parce que yo dou les ministres t'est là, moun marcher Jean Yovlé, yo circuler Jean Yovlé, yo fait ça Yovlé. Mais après le choléra vient éclater, le ministre, le contingent au final, c'est le son pral garder qui pral faire bilan, ou pral garder qui quantité viol nèg za yo fait, qui quantité ti fi ti garçon yo violé, qui quantité moun yo abusé. Oui, parce que tout ça on prend pour bon, li gen mauvais côté, tout ça on prend pour pas bon, ou va joindre quand même un bagage de positif li fait. On moun pas ka pas bon, pas bon, pas bon, pas bon seulement. On moun pas ka bon, 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 bon seulement. OK? Nous c'est humain, nous c'est moun avant tout. Ou ap gen bagay positif ou ka fè, comme ça trop bon bagay négatif ou bon côté ou mauvais côté. Mais jodi an là, par rapport avec question zam k ap ple de rentrer en Haïti. Ou tant les zam k ap sorti États-Unis, bon di nou. Moi jodi an vle nou honnête avec tête nou. Haïtien, commencez prendre conscience pour honnête avec propre tête. Gon paquet zam ki sorti États-Unis k ap rentrer en Haïti. Tant kouè kagezon zam za ki rentre et sou nan l'église épiscopale là. Yo fè konnen son certain et son certain de Rémi Lindor qui voyait conteneur en Haïti. Rémi Lindor ça, sûrement son citoyen haïtien, un haïtien d'origine qui prend nationalité américaine, etc. Mais États-Unis c'est comme les armes non? États-Unis légal pour acheter des armes. États-Unis porter des armes sont loi constitutionnelle liée pour américain. D'ailleurs, gen shop armes aux États-Unis on rentre à acheter des armes. De pour gen permis, de pour légal, ou respecter toutes conditions, yon vend nos âmes. Mais le nèg lan li rentre dans un shop zam, li achete 3-4 zam à plusieurs reprises, l'achete, li mette yon nou doum, li voye yon en Haïti. Qui mal Haïti fait nous, qui mal Haïtien fait nous, ou pas quel zami dans diaspora, c'est pas tout. Si y a 100 Haïtiens qui vivent dans la diaspora, je ne peux pas me dire 100 Haïtiens qui vivent là. Je ne peux pas me prendre un échantillon pour me dire que c'est tout 100 qui ont voyé en Haïti. Mais il y a un paquet là-dedans. Il y a un dixième là-dedans qui a voyé en Haïti. Il y a un dixième là-dedans qui a voyé qui a fait trafic de munitions en Haïti. Parce que les gens qui s'en mettent dans la tête, les femmes qui ont voyé en Haïti, qui s'en mettent dans la tête, les seulement ouais côté économique là. Li achete $10, li jwenn un trou vide, la bay moun ki kite le passé à $100 et puis zam sa pral vann ni $3000. Est-ce que nous comprenons la logique là? Nèg lan pa bezwen konnen zam nan, c'est pas pied bois il pral vinn planter, c'est pas dir il pral vinn planter, c'est pas mai il pral vinn faire non? Li pa bezwen konn si zam sa, c'est pas développement il pral vinn créer non? Li pa bezwen konnen bagay comme ça. Li pa bezwen konn si zam sa, c'est pas moun li pral touye non? Li pa bezwen konnen. Ki te melel? C'est comme l'île. Donc je dis à la, c'est qui mal Haïti fait nous, c'est qui mal Haïtien qui vivent en Haïti au fait nous. Qui mal au fait nous parce que pas qu'à quoi nous malhonnêtes à un point tel pour nous amuser, nous n'a fait conteneur, n'a voyé machine, nous flanquer zam la dol, n'a voyé boîte, nous flanquer zam la dol, nous faire gros conteneur, nous ouvrir en bac au fumé que nous fourrer zam la dol, nous fourrer charge, nous fourrer bagaille et puis n'a dicté mon nom mais comment le bras jeune, mais qui côté la jeune pour réunir zam non. Et puis pour la ferrailler dans la rue. Zamza ou voyez le bon monde, moun nan ki sa fè, li loué la avec un green bandit. Green bandit ça, la fè la rue et puis chaque après-midi vinn bal bilan, vinn bal contrôle et puis la bal pourcentage. Ou par contre ki quantité moun zam ou voyez an? Par contre ki quantité moun li tué? Bal ou voyez an? Ou par contre ki quantité de dégâts la fè dans Cité Soleil? Question moi en dedans, je parle de 89 morts etc. Ça c'est bluff. Pour quantité moun ki a tombé en dedans Cité Soleil, même même raison doit moun yo pa bon mesure pour yo dou. Même là ta gen relation avec bandi chaque camp, oui pour yo dou, am prend 20 pour tel, prend 10 pour tel, prend 15 pour tel. Yo pa en mesure pour yo dou. Parce que moun yo touye, yo boule, yo enterre, yo pral dou. Moun ki porte disparu jodi an la. Porte disparu en dedans Cité Soleil pendant gen on guerre. C'est moun yo tout enterré. Oui. Ça moun yo tout enterré yo. Donc jodi an la, faut que nous conscient que nous participer dans craser pays. Alors nèg la kapé la dou, li a vivre l'autre bord de l'eau. Les capes la dou aujourd'hui, c'est André Michel, c'est Nenel Kassi qui met le pays à côté lié à la seulement. Vous comprenez? Ou même ou pas voyez ça, mais faut questionner un paquet de compatriotes qui chita, qui prend plaisir à voir les amis en Haïti, hein?
qui prend plaisir à corrompre agent douanier, à corrompre policier, promettre 5 000 $, 10 000 $ et m'dou Haïti dans situation pays là. Haïti on paquet Haïti tellement vicieux. Yo prêt pour vendre nom yo, oui. Depuis bagarre là pas arrivé sur malheur pas arrivé sur qui t'est mêlé yo. Qui t'est mêlé yo, qui t'est zame dans passé. Yo fait 5 000 $ 10 000 $ américains. Yo pas mal. Yo pas mal puisque yo pral assurer yo puis devant des pour commencer dans ligne ça yo pral assurer yo gen relation avec chef gang yo gen relation avec kidnapper yo gen relation à x y z parce que nèg sa tout corrompu li tout rentrer dans système là li tout ap servi système là jodi a la sou pas commencer prendre conscience pour ouais même haïtien gen part de responsabilité dans craser pays c'est que nous pas comparer pour nous faire pays et me dit nous ça Haïti c'est pas un pays pour nous c'est pas un pays. C'est un pays pour reconstruire. OK? C'est pas un pays pour nous dire n'a bataille là pour nous améliorer. Haïti pas gain amélioration pour lui. Haïti c'est reconstruction totale. Comment c'est reconstruire brain nous, penser nous. On comprend? Problème haïtien c'est haïtien, haïtien a immun pour toute bagaille. Haïtien pas vrai monde pour toute bagaille. Haïtien qui bon dans pour toute bagaille. On comprend? Donc nous on pas de travail pour nous faire. On nous prend supposément regard dans deuxième partie émission, on va inviter pour nous là. Nous pral continuer par le pays, nous pral vin avec des points qui extrêmement importants, qui extrêmement sensibles dans les dossiers guerre qui gagne dans cité soleil là, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, puisque hier moi dit non Mario Antonio Palacios li aller dans tribunal de paraître devant juge qui évolution qui gagne. Et dans le dossier l'église épiscopale d'Haïti, c'est qui ça qui a fait, qui ça qui doit fait pour la vérité établie, pour la vérité jaillie sous question trafic d'armes et munitions qui impliquait diocèse épiscopale d'Haïti. Gebon, c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverneux pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak dans largeur. Dans deuxième partie émission pour aujourd'hui là, moi gien avec moi Stanley Lucas avec lui nous pral regarder et plusieurs et situations qui a déroulé dans le pays en question guerre qui éclaté en l'autre fois encore en dedans cité soleil. Nous gagnons hier Mario Antonio Palacios qui paraît tribunal. Nous gagnons aujourd'hui là Conseil de sécurité des Nations Unies qui réunit pour décider et soit avenir et Haïti dans ça qui est pour avec Binu mais dans les couloirs gagne différents lotes et bagaille qui a parlé comme quoi la Chine t'a compté une intervention une mission de maintien de la paix en Haïti mais gagne plusieurs autres pays en dedans Conseil de sécurité même qui favorable pour yo t'avoyer en Haïti yon mission de maintien de la paix. Donc avec Stanley nous pral regarder ensemble. Et qui ça qui dit, qui ça qui a fait là dans la situation Haïti? Bonsoir Stanley Lucas, bienvenue dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Moi salue Yannick, moi salue tout staff TAC 509 et nous salue tout auditeur. Bien, et Stanley Lucas, première question, c'est sous situation qui a évolué là en dedans Cité Soleil. Donc hier, il y a un RDLH qui fait un rapport là. Il n'y a pas même fait mention de massacre. On dirait que c'est l'ancien président Jovenel Moïse était là. C'est à l'époque, tout ça qui a passé dans le pays, c'est massacre, tout le monde qui mourit, c'est massacre, etc. Je dis là, comment comprendre les situations de guerre ça, qui relève en dedans Cité Soleil là, G9, G-Peuple? Premier bail, la question qu'on posait, c'est garder l'infrastructure insécurité en Haïti, à comment l'organiser. Deuxième bail, la question qu'on posait, qui relation qui gagne subitement, mais tout le monde sait que gang a plagué à terre dans la Cité Soleil. Pour qui ça s'est fait? L'autre infrastructure insécurité en Haïti, il y a 3 étages là-dedans. Premier étage en l'aide net là, qui met d'insécurité à, c'est Oligakio. Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Reginald Boulos, Pacha Vob. En bas,
dans deuxième étage là ou joine politicien traditionnel qui travaille pour yo qui dans gang yo Nenel Kassi reste avec Pacha Vob Kato reste avec Dimitri Vob André Michel Yuri Latortue reste avec Reginald Boulos en bas structure deuxième étage là où il va terre l'amour sans jour chez méchant Tilapli Izo yo tout lié à politiciens et oligarques qui dans deuxième et premier étage là. Ça c'est infrastructure insécurité là. Question vous demande pour qui ça subitement gagne à tuer monde cité soleil. Ligon rapport direct à menace journée jodia qui fait sous système là. Le système nan fin touye président Jovenel Moïse, yo te pense que avec Ariel Henry, yo ta ka remembre et renforce système nan. Le nèg yo est danger qui commence à présenter que peuple a pral craser système nan. Yo vini avec Akon Montana, yo vini avec Akopen, yo vini avec Aristide. Trois bagay sa yo pa marché. Le ou sa pa marché, ki sa oligak yo fait, yo besoin provoquer ou intervention militaire, en présence militaire, policière, étranger en Haïti pour venir protéger le système et protéger l'intérêt. Donc, mon ouè qui a tué dans la cité soleil là, qui espérance faire rapport sur yo, c'est pour permettre le Conseil de sécurité à voter jeudi à 15 juillet en mission policière et militaire pour venir protéger le système nan et intérêt oligarque qui n'a pas à l'étranger en Haïti. C'est pour ça que massacre a fait Cité Soleil. C'est pour ça que RNDDH fait rapport que madame la ligne pour l'utiliser dans le Conseil de sécurité. Donc tout événement ça est lié à l'autre. C'est oligarque qui est que peuple a balcasé le système nan. Dernier côté le rété pour protéger le système nan son mission militaire et policière étranger. Et vous connaissez que dernière fois que mission militaire ça en Haïti, des gars qui ont été faits. Ça veut dire que soldats des Nations Unies ont mené un choléra qui touye 9500 Haïtiens. Ils ont fait cadre déjà sous petit garçon à femme. C'est pour ça que le président Jovenel Moïse te voyé ou aller pour bâtir l'armée et renforcer la police. Jodian, Haïti pas besoin aucune mission militaire, policière, soldat étranger qui vient ban nous virus, qui vient ban nous bactéries. Si nèg yo vle aide nous tout bon, que yo ban nous tout équipement, toutes armes que l'armée à la police et cob que l'armée à la police besoin pour combattre gang. Jodian, Haïti pas besoin aucune mission militaire étranger. Donc, si bien comprendre la situation, guerre ça qui nous vient de dessus du soleil là, des oligarques, des politiciens qui a instrumentalisé chef de gang yo pour yo même jodi an la pour yo créer situation chaotique ça violence dans le pays parce que même le y a bon bon yo pas vle intervention militaire mais tout yo même c'est ça y a tant c'est pour yo en mission de maintien de la paix rentrer en Haïti là pour blanc vinn barre sécurité et puis pour yo tout profiter craser la police. C'est ça lié. Absolument. Et c'est pour savoir pour que réunion faite en huis clos, avait dit en secret, pour que peuple haïtien par où complot qu'a fait contre lui. Ariel Henry, agent Généis, a demandé militaires à soldats étrangers, les nous connaît des gars qui ont fait, non seulement dans la virus à bactéries qui vient tuer peuple haïtien, non seulement dans le cas déjà qui ont fait sous petit garçon avec femme dans le pays, mais dans affaibli l'État. Je ne vous dis pas, si un blanc qui besoin d'aider nous, ce n'est pas la mission Nations Unies qui nous besoin. Dans la dernière mission qui a été faite, il a dépensé 17 milliards de dollars américains pour ne pas quitter rien dans le pays. Nous n'avons pas besoin de mission Nations Unies. Si vous voulez aider nous, vous avez des gens pour aider nous. Renforcer, ben nous âmes, ben nous tout équipement nous besoin, ben nous tout corps nous besoin pour nous renforcer capacité l'armée à la police. Si bien force qui a combattre bien, même j'en sais fait Salvador journée aujourd'hui, c'est l'armée à la police Salvador qui a arrêté 43 000 gangs Salvador. Journée aujourd'hui, si vous besoin d'aider nous, c'est nous mêmes même qui pour arrêter gang ça qui pour mettre en bas côte avec l'armée et la police renforcée. Nous pas besoin aucune l'armée pépé. Mais Stanley Lucas connaît tout le monde connaît et États-Unis défavorable dans question pour Haïti gon l'armée qui mettait sous pied. Mais je dis là on a demandé ces mêmes monde ça qui pour aider nous pour ba nous matériel pour ba nous l'argent. Mais est-ce que vous pensez avec avec position yo prend position direct yo prend yo pas dans investir l'argent dans l'armée d'Haïti. Ou pensez un crime ça qu'a fait là différents groupes
gang qui gagne dans le pays. Ou pensez la police à lui-même seul suffit pour résoudre le problème gang qui gagne dans le pays? Bon, et absolument la police est là, mais qui a cassé un gang. La police a parlé, mais femme d'où nous connaissons qui réalité qui gagne à terre là. Communauté internationale n'a pas paré pour investir dans l'armée d'Haïti. Comment la police pour compte parle pour aller faire résoudre le problème de sécurité hein? Et gagne gang tout côté en dedans pays là. C'est approche président Jovenel là. N'est pas d'accord pour nous monter l'armée. Jovenel avance dans bâti l'armée. Jovenel mette service d'intelligence qui pour renforcer la capacité de l'État dans goumen contre gang. Jodi a nous même en tant qu'haïtien intérêt national nous pas négociable. Est-ce qu'on devant monter hégémonique de la République dominicaine et gang yo, nous pas qu'une autre option renforcer capacité la police, bâtir l'armée avec service d'intelligence nous. Qu'il y a si gen des blancs racistes qui préparé un génocide contre nous avoir l'armée dominicaine qui pas veut nous bâtir l'armée, c'est ça fait pas yo, mais il dans intérêt national nous tant au niveau interne par rapport à menace que gang yo représente, tant au niveau externe par rapport à la montée hégémonique de la République dominicaine, côté conseil de minots dominicains qui représentait 5%, qui raciste, qui prépare un nouveau génocide contre nous, même j'ai été fait en 1937, qui a été tué 30 000 haïtiens, c'est dans l'intérêt national pour nous bâtir l'armée, nous renforcer la politique. Service d'intelligence, nous parler pita pitrice et nous tomber dans crier les ont fait génocide sous nous. Blanc qui parle la mais c'est des blancs racistes qui préparent un génocide pour nous. Donc en fait moi-même jusqu'à présent là on a parlé de la même mettez-li pour moi nous pas la même. Nous on groupe jeune femme jeune garçon, nous réunions côté, nous dit la même mais la même pas opérationnel, monsieur pas gain matériel et donc en un mot nous pas vraiment gain la même. Et... Et c'est pour ça n'a parlé de bâtir, ça veut dire que bon base et juridique, bon base physique à travers deux bases que nous gagnons pour le moment. Nous avons à peu près 500 monde qui formé là dans avec mon commandement, bon base montons l'armée professionnelle. Bien entendu, il faut gagner des experts qui connaissent qui gens pour faire ça pour nous bâtir l'armée professionnelle qui répond à besoin d'intérêt national nous à deux niveaux. Premier niveau A, c'est comment pour garantir sécurité tout haïtien par rapport à menaces internes et externes. Deuxième non, c'est désastre naturel yo que si demain matin, les demain matin nous gont tremblement de terre, nous gont cyclone, gens ça a été fait dans la Tibonie avec dans nord-ouest en octobre 2018, c'est pas te venir de nous, c'est l'armée président Jovenel qui a bâti qui est allé démonio après tremblement de terre, écrasé car etc. Bon, m'pas prêt à faire débat sous question là mais parce que on rentre dans l'armée président Jovenel Moïse Tabati, bon et ça bah ça aurait été en fiction jusqu'à date. Non ça bien pour avec dossier assassinat. Il pas fiction non et Yannick parce que l'armée a été ouais ça a été fait dans dernier tremblement de terre sans l'armée étrangère. On l'armée malgré le pas gain budget qu'il t'a loué gain malgré le pas gain toute ça t'a doué fait. Dans dernier tremblement de terre, c'est pas l'armée étrangère qui t'a aidé non, c'est propre l'armée nous qui t'a aidé peuple en bas tremblement de terre fait dans la Tibonie et dans le nord-ouest. Il pas fiction. Bon, là, ok, par rapport à l'intervention qui était faite souterrain, ok, mais nous besoin là, mais là, qui combat avec gang, avec bandits, qui a terrorisé la population, c'est ça nous besoin là, et dans le moment. Et après un an, assassinat président Jovenel Moïse, 7 juillet se passé à là, c'était première année commémorative, et je dis en là, dans qui point dossier aille? Par rapport parce que hier m'apprend que Mario Antonio Palacios qui m'a résumé assassin qui paraît devant juge et qui feedback ou bien qui comment dossier a déroulé là. Bon et au niveau institutionnel tant dans pays a que dehors pays a et c'est un blocage institutionnel total. Ça veut dire que en dedans pays a gouvernement Ariel Henry a et li échoué dans l'objectif que le gagné pour première année. Ça veut dire dans le premier mois que vous finissez tout le président Jovenel, vous avez gagné pour enterrer le dossier au niveau judiciaire. Vous avez échoué. Deuxième objectif que vous avez gagné, vous avez gagné pour ça le cadavre à mémoire président Jovenel Moïse, vous avez échoué. Troisième objectif que vous avez gagné, c'était banaliser le crime. Tous les trois montrent que dans la commémoration 7 juillet, côté obligé pour arrêter pour que
assassinat Jovenel Moïse Vinon jour national montrer échec là. Les frères même que pendant 12 mois, ils t'a regardé qui j'ai ta sale cadavre président Jovenel Moïse, il obligé rentrer dans commémoration tellement il a échoué, montre que détermination peuple à chercher justice malgré blocage institutionnel en Haïti, n'est yo échoué. Donc deuxième année combat a commencé et il va aller jusqu'à présent dans bonne direction, le regarder dans qui difficulté Ariel Henry et dans qui difficulté que système n'a gagné pour l'imposer une trois accord même Aristide Yodalde imposé. Au niveau externe, c'est même bagaille là. Blanc qui participe dans tout le président, t'as essayé enterrer dossier. Même les aux États-Unis, il y a classé une série de preuves, informations qui t'a permettre nous ouais clair secret ou est malgré tout une détermination dans la diaspora pour continuer goumen pour justice. Donc pour moi même sur les deux points que le niveau interne, que le niveau externe, malgré blocage institutionnel, yo, eh ben, gen pile progrès. Je dis à nous qui blanc qui participe dans tous les présidents, nous qui oligarque, qui politicien traditionnel qui participe dans tous les présidents, nous avons l'idée très claire, même si nous pouvons avoir toute information honnête sur comment ils ont infiltré par les nationales, USGPN, USP, 4 team et commandement la police pour tous les présidents, nous avons plus ou moins clairement tout acteur. Et pendant 12 mois, ils vont permettre nous clair dans l'État. Soit à travers le secrétaire général par les nationales, soit à travers le ministre de justice, Berto Dossé, qui est avocat sous Genève, soit à travers l'ISKITEL. Nous venons dans l'État, infrastructure complice dans le pouvoir judiciaire et dans le pouvoir exécutif qui a bloqué l'enquête. Dans ce sens, le peuple a remporté une victoire pour première année combat pour justice pour le président Jovenel Moïse et deuxième année est commencé. Dans la deuxième année, bon changement de mentalité qui fait, qui est inquiétant. Parce que pendant la première année, le peuple a été fait plus ou moins pouvoir judiciaire. Il a regardé est-ce que le pouvoir judiciaire a réussi à lever pied pour la justice. Après 12 mois de goumen, le peuple a vu que la justice corrompue juste dans zo et la travail avec oligarques assassins et politiciens traditionnels assassins. C'est pour ça que la mentalité commence à changer. Autant de gens parlent dans l'aria. Et Mounio dit pas dans justice encore, c'est vengeance à chercher. Moi-même, en tant que démocrate, j'ai créé une inquiétude là, quand même, parce que le peuple a commencé par quoi dans l'institution, la justice, les bras chercher justice. Amel, t'avais dit côté le barré, avec nek qui tout est président, là tout bail tête les justices. Ça représente un danger pour la démocratie et son bail pour nous gérer avec délicatesse. Mais Stanley, bon bail qui toujours attire attention, parce que. À chaque fois, m'invite dans l'émission pour nous faire parler sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et les approches ou toujours basées et personnellement moi le constat selon les oui dire parce que je dis que le rapport et des CPJ que les différents juges d'instruction qui passaient sous dossier de manière formelle pas gagné et comment tu as dit ça yo pas indexé directement moun nous considérer je dis comme oligarque qui participait dans tout le président Jovenel Moïse et c'est seulement Sami Randal qui t'a gagné envie de recherche qui t'a gagné Interpol qui l'a guidé mais après ça majorité oligarque qui a cité que le Reginald Boulos que le Dimitri Vob etc et qui t'a participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse et de manière officielle pas gagné yo pas impliqué yo. Nous parlons okay, deux bagailles. Mm-hmm. 9 juillet, soit regarder l'émission pour canter la parole, des mandats d'arrêt qui fait contre Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Reginald Boulos. C'est commissaire gouvernement qui fait. Pour ça, mandat d'arrêt, ça disparaît. Il ne va jamais parler de eux. Bon, si vous disparaissez, vous parlez là. Non, ils étaient là. Si vous disparaissez, vous parlez là. Ils étaient là. Donc, 12 mois, si vous avez 12 mois à vie de montrer nous, c'est contrôle. Et capture de l'État que oligarque yo fait. Ça veut dire contrôle yo gagne sous pouvoir exécutif là. Contrôle que yo gagne dans cour de cassation, cour d'appel, tribunal première instance, cour des comptes. Contrôle yo gagne sous et mandat sénateur qui finit depuis le 10 janvier 2022, nèg yo capture l'État qui fait que gon série de bagay yo bloqué et yo saboté en dedans pouvoir judiciaire. Jodi a 12 mois et quelques jours après que n'a goumen pour justice pour président Jovenel, si gon bagay qui clair, c'est contrôle oligarque yo gagne sous l'État. Okay. Et c'est ça qui explique que après mandat d'arrêt est fait contre eux-mêmes le 9 juillet, deux jours après assassinat président, même au niveau là, presse ou l'argent qui a vidé pour ne pas parler de ça. Eh bien voilà, écoute, imagine au mandat est fait derrière, au mandat ça disparaît, tu rentres, tu n'as pas entendu parler de bagaille ça. Et Ariel Henry, je dis, qui c'est, il n'a présumé
et complice dans l'assassinat président Jovenel Moïse, li assure que li fait remaniement de l'appareil judiciaire, le mette juge dans le tribunal première instance, mette juge dans le cour d'appel. C'est seulement cour de cassation là pour qu'on mette juge. Donc, ou dit ou c'est démocrate, ok, ou gen une inquiétude qui a développé dans la population par rapport avec et Jean approche nous mon yo a fait qu'on y a pas dans question justice, si la justice qu'on pour dans ça, mon yo pas attendre indéfiniment que justice que une justice pour Jovenel Moïse, que une justice pour ça qui rive pour viol et pour souveraineté pays en violé, vous comprenez? Donc mon yo rentre dans ligne côté que il a réclamé vengeance. C'est vengeance qui n'a pas été mon lieu. Donc, ou dire ou même ou c'est démocrate ou pas dans la question vengeance. Donc, à comprendre que par rapport avec statut ou par rapport avec mounouye, et de manière publique ou pas admettre que pral gen ou vengeance qui pral fait. Mais là, si pas gen ou vraiment pour justice bay, et est-ce que c'est pas seul vengeance qui t'a société pour papa ici, hein? Pour au moins moun qui implique dans l'assassinat Jovenel Moïse pour yon ta payé ça yon fait? Bon. Question là gagne deux parties. C'est pas seulement dans disparaître mandat d'arrêt ou bien Jean Oligakio a influencé décision judiciaire pour contrôle qui au gain. Même là fait gang dans garder. Et nous connaît que Reginald Boulos connecté avec Iska Ti Gabriel Ti Ougan dans Cité Soleil. Li relé publiquement agent de développement qui l'a servi avec yo. Est-ce qu'on ça discuté en dedans système judiciaire dans pouvoir exécutif là ou l'oligarque dans insécurité pays d'Haïti à pas nous même dans réseaux sociaux ou même Foucault Beto et Busta qui discutent de rôle oligarque dans mettre insécurité dans tête insécurité en Haïti ou est une radio qui discutait de ça. C'est pas seulement dans système judiciaire que nèg yo système nan gen contrôle ou même dans la presse la bagaille ça pas à discuter. Pour deuxième partie question là et bon nous c'est comme ça qu'il toujours y est dans pays d'Haïti. Ça veut dire que tradition que justice là c'est pour malheureux grand nèg pas gen justice pour yo bagay ça vinn fait que nan mitan peuple gen des fois yo prend justice nan men yo. Donc si peuple li même li gade 12 mois après li wè c'est Boulos, c'est Dimitri Vob, c'est Jean-Marie Vob, c'est Pacha Vob, c'est Michel Matéli, c'est Ariel Henry, c'est Beto Dossé, c'est Josué Pierre lui qui a bloqué justice pour lui, c'est Bernard Saint-Ville qui a bloqué justice pour lui, et peuple là on est à 95% qui est-ce qui touye président, parce que depuis regarder vidéo 7 juillet c'est peuple là qui marie soldat colombien qui remet yo bay la justice le 7 juillet 2021, c'est même peuple ça le 7 juillet qui t'a cherché Boulos avob comme moun qui touye président. Donc peuple là depuis un an quelques jours peuple là qui est-ce qui touye président, même si développement récent yo pendant 12 mois qui sont passés a vinn permettre nous pique qui est-ce qui touye président à tous les niveaux et qui est-ce qui complice yo. Mais notre tête peuple là li ka comprendre que qui gens li identifié tout monde qui touye président yo sous 12 mois et puis la justice pour qu'on fait rien. Et c'est pour ça changement mentalité que m'tab dou ta lè a en tant que monde qui croit dans la démocratie. Moi même c'est pour quoi dans justice, mais ça va empêcher m'essayer de comprendre moun k'ap chercher vengeance par rapport à et un système judiciaire avec oligarque qui bloque justice pour président. Donc développement ça a li pral alimenter et ça pral gagner dans 3-4 mois k'ap pral venir yo moun ki tue président yo pas en sécurité encore. Alors dit que ou gen loi un tel ou un tel qui implique dans tout le président, la visite en côté, peuple a tout bas tête de justice. Donc, je dis à lui créer une situation, moi-même en tant que mon responsable, lui créer une situation et très précaire pour pays à le peuple arrivé non condition. Régime de la loi qui c'est une sept caractéristiques de la démocratie. Peuple là ouais, les sont malheureux qui volent, qui font un crime, li gen en détention préventive, les oligarques qui touye président pays, nèg yap kale koyo à l'étranger. Donc je vous dis, peuple n'a pas d'accord avec le système ça, et c'est pour ça qu'il a essayé d'écraser le système. Nan, et il a essayé d'écraser le système. Nan, comme les gars qui n'ont pas joué une protection interne, il a gardé qui gens ont aidé madame la lim, mettre en mission militaire et policière pour venir écraser Zoyo, parce qu'il a essayé d'écraser un système pesé sous ses, un système injustice qui empêche yo évoluer et gagner la peine dans le propre pays. Tout à l'heure, c'est comme ça. Depuis pas qu'il y ait une justice conventionnelle là, et c'est dans mon yon aller, c'est justice privée, c'est lui-même yon priorisé. Et standard de cas, bon, l'autre question qui est extrêmement importante. Parce que nous, hier, et DCPJ débarqué dans la douane de Port-au-Prince,
et gagner manifeste zam rentré conteneur zam rentré sous non l'église épiscopale d'Haïti malgré que gagne communiqué qui sorti l'église épiscopale démenti que t'a gagné on bagaille pour ouais avec question trafic zam non. Eh bien ça pas ça qui attire l'attention c'est le fait que jodi en là zam ça au côté sorti États-Unis c'est même États-Unis ça et haïtien quoi gouvernement quoi qui ka aidé yo combattre insécurité fin avec question kidnapping gang dans le pays alors que zam yo sorti la caillou rentré États-Unis on est payé pas ka sorti en Haïti pour dou pral passer de manière illégale dans contrebande pour rentrer aux États-Unis. Est-ce que réellement jodi an la ou ouais gon volonté pa bon côté soi-disant pays ami sa yo pour yo aider Haïti tout bon nan mete sécurité en dedans pays. Bon, et la question qu'on pose a et premier bagage pour garder et est-ce que qui ça nan intérêt américain? Combien zam nan dans le monde représenter 200 milliards de dollars américains? Et 20 zam nan pays tiers mondiaux son commerce qui rapportait l'argent. Koulia, question qu'on pose, est-ce que diaspora nous, qui aux États-Unis, organisée au niveau national et au niveau l'État de la Floride, pour bloquer le trafic ZAMSA qui a fait entre Haïti et les États-Unis? Ça veut dire que, qui ça, association haïtienne qui est en Floride, organisée comme démarche, bon côté, parlement local floridien et bon côté gouverneur et DeSantis. Ah, et premier bagage qui te doit fait là. Deuxième bagage qui doit fait là parce que système politique américain, il gon nous au niveau local, il gon au niveau national. Au niveau national, qui démarche que diaspora a fait qui aux États-Unis, bon côté 1, Congrès américain, 2, bon côté administration Biden là pour camper commerce zam pendant yo camper commerce zam là garantir que la police à l'armée joine zam qui au besoin au niveau parce que l'regard des qualités zam qui a débarqué dans pays là eh ben ou est que gang yo gen plus zam que la police. Deuxième bagaille dans dossier spécifique ça qu'on parler là ou songez que président Jovenel Moïse te gen problème avec l'église catholique soit fait Jean l'église a servi à franchise que au bail. Oui. Président Jovenel Moïse te joint que l'église catholique de trois monseigneurs dans l'église en pas tout non, yo t'a fait commerce à franchise. Yo t'a commandé un paquet de tonnes fait au lieu faire yo al servir pour bâtir l'église, yo t'a vendre dans marché. OK? Donc Koulia, dans dossier l'église épiscopale là. Est-ce que c'est l'église épiscopale là tout bon qui commande des amis yo? Ou bien est-ce que son monde dans ministère planification côté Rika Pierre ministre qui servit à papier l'église épiscopale qui fait ça? Ou bien est-ce que sont l'autre institution privée qui servit à papier l'église épiscopale qui fait ça? Ou bien est-ce que c'est l'église là lui-même qui fait ça tout bon? Nous avons aucune réponse à toi question ça. Dans démarche administrative et pense que me t'attend des révérend Ville Madoche, dans démarche administrative yo pas gain intervention ministère planification, c'est douane, c'est l'église épiscopale et puis c'est intervention ministère de planification non ou parler de ministère de planification oui moi dou consacré mais ça me dou exactement est-ce que ministère de planification qui gagne dossier tout dossier ONG ça yo et l'église catholique nan men yo est-ce qu'elle t'a servi à papier ça yo pour aller faire ça ou bien est-ce que son l'autre entité privée ou bien est-ce que l'église là tout bon faut pas oublier que nan ti livre que UNESCO écrit ça crée les enquête par hypothèse là l'on commence son enquête ou fait 3 ou 4 hypothèses nan hypothèse yo gen 3 pral tomber gen une cap kembe nous vous connait qui est là dedans cap kembe donc rete avec la justice pour faire travail li pour faire c'est pour la justice nous pas joindre ni c'est nous mêmes et nan taxe 509 nous mêmes et journalistes engagés réseaux sociaux à 2-3 journalistes engagés créés dans radio pays d'Haïti si nous même nous pas faire enquête yo pas aucun la justice pour quelqu'un casser faire couvrir ça donc je dis à la donc, ça la même penser que pour quelqu'un évolution dans dossier à partir de mercredi jeudi prochain donc si bien comprendre la et la presse les substituer là la justice oui en Haïti. Bon, dans toute démocratie, presse la bon rôle clé qu'elle joue dans la recherche de la justice. Est-ce que c'est pas la presse aux États-Unis qui mettait à terre gouverneur New York, Mario Cuomo, pour moun li touye
dans cadre pandémie et coronavirus là, est-ce que c'est pas la presse aux États-Unis qui met des présidents Richard Nixon à la tête? Donc la presse toujours un rôle d'enquête. Regardez enquête la 60 minutes. La vérité. Mais en Haïti, c'est ça. Mais c'est ça. Donc nous-mêmes, si c'est pas nous-mêmes là dans la presse là, est-ce que je vous dis à 12 mois après, nous avons l'idée plus ou moins claire de qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? Absolument non. C'est nous-mêmes dans les réseaux sociaux, sous TAC 509, sous Beto, sous Bousta et Latrier. C'est grâce à nous-mêmes et quelques journalistes engagés dans le pays d'Haïti qui fait que, malgré volonté oligarque avec pouvoir pour enterrer dossier justice ou résident, nous avançons quand même. Et dans ce sens-là, ou même Yannick, ou avez des contributions énormes qu'on baille ensemble avec Foucault et Alfaï pour faire bagaille. Yo avancé sous Chanel TAC 509 là m'a félicité nous pour travail permanent ça et éducatif ça que nous fait et dans mitan la jeunesse et pour pays a qui prend l'important au niveau historique pour monde qui chercher la vérité. Mais quand tu vas me ajouter dans pays qui a fonctionné la presse média yo utiliser ça pouvoir gagner pour aider et dans chercher la vérité. Mais je dis là leur fin chercher la vérité, c'est la justice qui tranche en Haïti. Nous un gros paquet média yo utiliser plutôt et pouvoir gagner pour clean moon, on comprend même le la bon, presse. Bon, dans média nous connait réalité à s'allier, ouais. J'allais dire que l'entendre les paroles qui sautent dans bouche Dimitri Voba original Boulos qui eux même cap dit qu'on acheté micro pour comprendre que qu'on parti dans la presse là qui corrompu. Et je vous dis ah là tellement gain corruption là-dedans que journaliste Henri Guerrier dit libre organisation émission à tout journaliste qui a touché pour montrer qui est-ce qui a touché dans mes oligarques et dans mes pouvoirs. Journaliste engagé ou par exemple, dans l'association nationale des médias NMH, il y a trois membres directeurs dans l'association sous l'ordre oligarque qui ont fait des marches pour ne pas quitter me parler dans une série de radio Port-au-Prince. Parce que nous-mêmes, nous étions attachés à justice pour 58e président. Parce que si nous n'avons pas une justice pour 58e président, prochain président que le peuple a choisi dans l'élection, oligarque qui a touché le même genre. Et si un journaliste ou n'importe qui dans la société a qui font un rapport que oligarque qui a parlé, il a touché le même genre président et dans tout le président. Dans le message que vous avez, c'est que vous voyez ben nous, personne n'est pas à l'abri. Si nous avons un président, allez ouais pour vous. Donc je vous dis, si nous voulons un bon pays qui gagne la paix, qui gagne stabilité, qui gagne démocratie, développement économique, pour nous combattre la corruption, nous obligés de chercher la vérité, la justice, et nous obligés de combattre le système baisé sous ce que oligarque qui mette, et vous touillez le président parce qu'il t'a crasé. C'est dans le cas, second dernier mot. On a quitté là pour papa ici en une situation difficile, n'a traversé là dans insécurité, nous elle l'axis qui gagne pas bon côté autorité, Ariel c'est à son bloc glace là, il pas cœur, mon amour il pas cœur, gogou il pas cœur, gars pas ta sortir dans terminal va rue, il pas cœur, donc pas gagne aucun souci papa ici en gagne là, on dirait qui et qui c'est principale préoccupation gouvernement qui là. Donc qui ton message pour papa ici hein, pour moun k'ap gado k'ap tande dans moment là. Bon, comportement à Ariel à tout ministre. Il fait partie du racisme systémique que oligarque mette dans tête l'État. C'est pour ça que oligarque choisit Ariel à ministre qu'il a eu. Parce que oligarque là, à cause du racisme systémique qu'il mette dans tête l'État, femme noire, garçon noir, timon noir qui a mouru sous cité soleil, nan géo, moun sa yo pas moun tout bon. Yo ka mouru sans problème. Donc c'est une bagaille que Jovenel t'a combattre qui c'est racisme systémique là. Parce que oligarque yo met un racisme systémique, yo même oligarque Pétionville c'est moun, ou même ti nèg noue, ti femme noue, ti moun noue kap viv dans quartier populaire ou pa moun. Donc ou gen doit mourir, ou gen doit kidnapper, malè gen doit rivo, ou pa gen doit l'eau potable, ou pa gen doit la santé, ou pa gen doit la sécurité, ou pa gen doit en éducation de qualité. Parce que sont esclaves koué, c'est comme ça yo gado à cause de racisme systémique là. Donc message à ceux qui s'allient. Jodi a ou même peuple a ou doit connait que en 12 mois ou fait des progrès énormes ou sous route pour craser système nan. Blanc yo tellement ouais pour craser système nan, ouais qui a essayé touyer moun cité soleil pour justifier une mission militaire et policière en Haïti dans réunion conseil de sécurité qu'a fait journée jodi a. Haïti pas besoin mission militaire étranger. Quitte nous résoudre problème nous. Et là nous pas résoudre problème nan, c'est pas passer mais prendre Ariel seulement non. Les n'a passé mes prend fond prend tout système là à Comontana à Copen Sali Public Aristide yo tout fait partie de système là. Donc nous avons une opportunité historique que président Jovenel te dit nous pour nous
craser système là. Jovenel qui était premier vague là, mouri pour nous. Grand pile là nous là qui fait partie de deuxième vague là, gain l'autre qui fait partie de troisième et quatrième vague là. On va s'écraser système là. Pas gain l'autre option c'est ça que message là. Pas camper sur route et ouais qui j'en négio paix. Négio tellement paix. L'autre jour gon jeune garçon cap garder bête au dossier, juste garder lui il faut arrêter le pour ça. Tellement monsieur paix. Ça montre que la peur a changé de camp. Bon, oui, tout à fait. Et bon, pendant parler de Aristide là, je dis à effet Aristide, ou pas foutre rien. Bon, 15 juillet, c'est un plus mauvais jour pour le pays d'Haïti. Parce que, mine de rien, héritage que Aristide quitte a, pour avoir un impact au niveau culturel et sous plusieurs générations à venir. Ça veut dire que lorsqu'on leader politique, Wallou, c'est pour inspirer et à chercher tout ça qui est plus bon qu'à chaque monde avec l'amour qui est dans le monde pour bâtir un pays. Aristide lui-même, pendant 30 ans, il a fait politique là, il a inspiré plus mauvais instinct et raïssance qui est qu'à chaque haïtien. Montrer aux gens pour bouler le monde, comment détruire l'État, comment piller l'État. C'est le cas des grands mangeurs, c'est le cas des gangs, les fins crasés, l'armée de manchette, l'armée rat, l'armée rouge, l'armée cannibale. Il s'est créé à peu près 300 chefs de gang en 1995 après qu'il écrasé la mer. En bas, chef de gang, ça a été gagné des Simon qui a entre 8 et 15 ans en 1995, qui tape tout le monde depuis là. Simon, ça a aujourd'hui a gagné entre 35 et 45 ans. C'est au cap émergé comme l'un mot sans jour, comme chien méchant, comme Tilapli, comme Iso et Latrier. Donc, héritage Aristide là, dans le quartier populaire, zone métropolitaine là, et sous-pays là, en matière de culture, de destruction et de raïssance, son bas. Bagay que nous pas l'obliger corriger sous plusieurs générations et bagay qui pisia long leader politique a fait politique ou bien doit faire des erreurs mais ou apprendre des erreurs ou changer ou vinn pi bon. Aristide pas changé, il est resté le même. Donc a fait dit Aristide bonne fête là, malin bonne fête, c'est pénitentiaire national j'étais doué hier jodi a si pays a tap marché. Donc pendant selon vous même pendant toute période de gouvernance Aristide dans le pays et on pas besoin de 5 bagay positifs le faire. Héritage Aristide là, on garde au niveau de l'éducation. C'est monsieur craser université d'état. Non, positif, positif. Si pas positif, on pas besoin d'état et m'a déjà compris. Mais c'est ça m'a tout, l'op chercher que le niveau éducation, que la santé, j'en craser la mer pour ban nous occupation militaire. J'en monsieur fait crime de haute trahison contre nation. Qui ça gagne de positif là? Donc Aristide pas gagne rien de positif lui fait. Et absolument non. Ok. Et sans le cas, c'est un réel plaisir pour nous de faire parler ça. Merci, on le fait encore pour disponibilité. M'espérer à vous pas quelques autres occasions pour nous parler pays, pour nous faire débat sur la situation qui a développé en dedans pays, nous, Haïti. Merci pour temps et merci pour échanger ça. Donc, m'espérer que nous avons vraiment. Bon, c'est moi pour remercier Yannick. Moi, espérer que nous avons attendu après nos bagailles. Encore une fois, je félicite TAC 509. Pour permanence li engagement li bon côté peuple haïtien et gon paquet d'émission différents que nous fait pendant 12 mois ça valeur ou pral nan 50 ans 100 ans pour moun k'ap chercher la vérité historique sous période ça. Merci pour contribution à l'histoire pays. Bon Dieu bénou Yannick Kembela. Merci en pile. Bye bye. Bon, moi te gen avec moi là Stanley Lucas. Nous se parler un paquet causé, nous se parler sous situation insécurité, sous gang qui finit à terroriser population, sous guerre qui éclate en dehors de Cité Soleil, G9G Peuple et sous implication oligarque, sous implication politicien yo dans insécurité qui gagne en dedans pays, en pile monde dou, c'est insécurité l'état, c'est politicien yo, c'est oligarque qui mette ça nous là, ça n'a vivre dedans pays. Je dis en fait nous te connait réellement qui ça problème là. Gagné dossier assassinat président Jovenel Moïse, évolution qui fait, Mario Antonio Palacios qui lui-même hier paraît devant juge, paraît dans tribunal, gagné encore et l'église épiscopale d'Haïti, gagné conteneur qui vini, dans conteneur ça yo pour découvrir en quantité d'armes manche longue, 14 armes plus passé 10 000 cartouches, gagné chargeur etc. Et l'église épiscopale d'Haïti sorti communiqué pour yo démenti formellement implication yo ta gagne dans question trafic d'armes munitions en dedans pays. Jodi an c'est qui sa vérité an, et est-ce que c'est des faussaires, est-ce que c'est moun qui fait faux documents pour piéger l'église épiscopale, pour piéger dirigeant yo? Est-ce que réellement c'est l'église épiscopale qui fait, est-ce que c'est imitation qui gagne par mon côté responsable qui en dedans institution qui a géré question administrative yo? Donc, on a cherché la vérité pour nous porter la vérité. Pour en attendant toute information, on a commencé l'émission par rapport avec Zimbabwe qui travaille dans
nan diocèse an par rapport avec différents monde qui passaient en dedans et entité administrative l'église épiscopale d'Haïti en tout bagage ça aussi des informations mal chercher pour vous. Mais gros bagage vous m'ajoutez oui avant de finir l'émission nous tendez que Stanley Lucas dit pour lui même personnellement et il pas avoir rien de positif que Aristide fait pendant tout temps passé dans tes pays à diriger administration l'état bon micro ouvert. On lava la sien, on moun qui te passe en deux de structure lava la sien, qui li même ouais, qui sa qui positif que Aristide te fait. Donc, ou gen droit de réponse, ou gen droit de riposte, etc. Numéro mission 3896 3819, micro a ouvert. Vin parler, parce que ou gen droit pour répondre, ou gen droit pour bay opinion pao. Donc, merci tout moun qui tap suivre émission jeudi en la. Rendez-vous en li kase pour dimanche. Nous avons un paquet de paroles pour nous parler. Nous continuons à parler pays, nous continuons à mettre les problèmes sur la table et ensemble pour nous chercher des éléments de solution. Haïti c'est pays, Haïti c'est pays, Haïti c'est pays, nous tous liés. Donc c'est mes pas, c'est nous tous ensemble qui pour chercher solution avec problème pour nous remettre dans le pays. Parce que ça nous gagne là, nous avons un pays tête li cassé, bras cassé, rein cassé, pied cassé, nous avons un pays qui a traîné, nous avons un pays qui en lambeau. Toute institution nous yo fin craser institution yo, et c'est pas involontairement, c'est volontairement nèg yo assurer yo que yo craser l'état, yo craser institution yo pour leur parler de Haïti jodi an la tout ça ouais tout ça yo envisager pour Haïti c'est venir avec c'est venir avec des interventions militaires. C'est vini et pour blanc vinn fourer bouche dans cause institutionnelle nous pour blanc vinn fourer bouche dans cause militaire nous dans cause policière nous en dedans pays pas vraiment gon volonté pour négro équiper la police nationale d'Haïti bon question là mais d'Haïti nous mettre fond quoi sous lui parce que nous ouais États-Unis qui toujours paré pour mettre l'argent dans budget nous pour mettre l'argent est disponible pour accompagner la police et au même encore qui dou yo pas dans cause la d'Haïti donc réellement si gen un travail qui pour faire pour mettre camper la médaille sous pied, c'est gouvernement, c'est l'état haïtien qui pour faire. Bon, c'est pas haïtien qui pour faire tout parce que jodi an l'armée, gon l'armée dans pays où c'est défense souveraineté. Gon l'armée dans pays où c'est dou di nèg de yo ou di République Dominicaine ha, ti pa pa poser Haïti a pas en savane ou pa ka vinn foule territoire nous. Ou pas ka vinn empiété sous bout tête pa nou an, etc. Mais nous wè ki bataille qui a fait là, nous wè ki démarche qui a fait, nous wè et réaction papa haïtien. Donc nous gon paquet de travail pour nous faire. Nous gon paquet de travail pour nous faire. C'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous tous ensemble qui pour remettre campé Haïti chéri noir. Rendez-vous en casse pour dimanche sous même chaîne dans même l'heure. Des micro présentation, c'est toujours même Yannick la même voix, rien hein, pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si j'passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle. Nous allons faire des matchs.